Très cher Team Ripley, on est revenu à Poule de l'Art, l'école de Sangliax 3000, et l'école des météorites, de la foudre et des mages noirs, qui s'amusent à s'introduire dans la fac pour tout simplement ennuyer nos étudiants. Et la dernière fois, c'était à peu près stabilisé. On avait réussi à avoir les deux étoiles, sachant que la première avait été la plus pénible à avoir. Et là, on va être en rôde, sous la troisième, en compagnie du cheese rolling. Et je prie pour qu'il y ait une fac avec du cheese rolling, en vrai. Donc on est à la cinquième fac. Ensuite, nous, il faudra qu'on aille... Pas à Poule de l'Art, mais je vais y arriver. Pas là non plus, ça c'était l'école de chevalerie. Ici. Il va falloir qu'on aille ici. L'école des sportifs, hein, tout simplement. Pour ensuite, eh bien, nous rendre... alors, elle est où l'autre fac que j'avais repérée, qui était à débloquer? C'était la fac de la jungle, voilà. Et la fac de la jungle sera donc bien après. Mais pour l'instant, malheureusement, il va falloir qu'on revienne ici. Et c'est la map, je trouve, la plus pénible. Et je bois tellement, il fait tellement sec, que j'ai déjà quasiment fini ma gourde. Quoi. Oh, quelle tristesse. Et voilà la hôte qui s'invite à 8. Quoi, comment ça, chais? Ah oui, t'as... ça arrive à tout le monde. Ça. Allez, j'ai envie d'en finir avec cette map. Elle est chiante. Elle est marrante, mais elle est chiante. Oui. Ah. Nous y sommes. Par contre, il y a beaucoup... Alors, tous nos beaux diplômés, là, ils partent, là, ça y est. On n'a pas eu d'échec, je crois. Hein. Il me semble bien. Mon défi des vers luisants, bah, j'arrive pas à le faire, parce qu'à chaque fois, eh ben, les étudiants, ils ont besoin de soutien psy. Regardez-moi ces fiers sorciers. Regardez-les-moi. Ils se lavent pas, mais ils sont diplômés. Comme quoi, il n'y a pas besoin de savon hein, pour avoir un bac plus 5. Hein. Donc oui, les bénéfices. Alors, il faut qu'on atteigne le niveau 22, ce qui est largement jouable. 50 000 de bénéfices mensuels. Ah ouais. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on la joue serrée. Hola Benoît, comment vas-tu? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on la joue serrée au niveau du budget du personnel, tout en contribuant à leur bonheur. Et que les élèves soient bien aussi, quoi. Ah, film d'horreur! Bah oui, on configure... En... Alors, on a déjà des événements de configurer, en fait, je crois. On va le programmer, et on va le programmer... hop. Ah, merde, c'est vrai que fin octobre, on ne peut pas... Ah bah... Ouais, let's go, hein. Let's go. Il me semble que niveau prêt, on était bien, parce qu'on n'en a pas à contracter. On a 339 000 salaires, moins 1 million. Punaise. Même les frais universitaires ne couvrent pas entièrement le salaire du personnel. Incroyable. Mais donc, alors avant de commencer, on prend ça, puisqu'on a boosté un peu la recherche. Je vais faire pause, et je vais me faire un rappel des profs qui sont en recherche. J'en ai que deux. J'ai deux recherches et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 tuteurs, donc ça c'est bon. Mais, donc il faut la salle de potions et un amphi. C'est jouable. C'est très largement jouable et c'est pas par là que je vais pouvoir les faire. On va déjà copier-coller ça. Et on va les mettre ici. Ouais. Non, en fait, je vais devoir reculer le bâtiment. Je vais devoir agrandir le bâtiment pour pouvoir tout mettre dedans. Voilà. Comme ça, je laisse ce quartier-là entièrement dédié aux étudiants. Ils ont leur... voilà, ils vont avoir leur dortoir. Hein.
Ça, il va falloir me réparer ça parce que c'est inadmissible. Et je vais mettre l'amphi et la solde de potion ici. Comment va la tuture? Eh bah toujours pas de news. C'est ça le truc, c'est qu'on a toujours pas de news. En fait, là, je... ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai incité. Voilà, je cherche le terme. J'ai incité Quentin à aller à un job dating qui était dans le pôle, dans le technipôle de Rennes, enfin de Cesson-Sévigné à l'est de Rennes. Et c'est vachement cool là-bas, putain. Quand j'ai vu qu'il y avait l'école de design qui allait s'installer, il y a plein de travaux parce que c'est la zone de Cesson-Sévigné qui est en train de pousser à cause de la deuxième ligne de métro de Rennes. Et c'est trop cool, punaise, j'ai trop envie de bosser là-bas. J'ai trop envie de bosser là-bas, il y a plein de structures de design, de streaming, de montage vidéo, enfin... Il va y avoir énormément de choses qui vont s'installer là. Et donc il avait un job dating là, et juste pour l'encourager, parce qu'il là, il a eu plein de... Il a eu plein de refus pour son projet d'alternance, donc c'est un peu la S. Et donc pour éviter qu'il soit trop stressé, je l'ai accompagné. Voilà. Et je me suis dit que c'était l'occasion de tester justement, depuis ma commune, de tester le bus plus les deux lignes de métro. Et au lieu d'une heure et demie de trajet avant l'ouverture de la deuxième ligne de métro, on a mis moins d'une heure. Donc c'est pour vous dire à quel point, pour aller à un certain endroit, du côté de l'est de Rennes, ça va. Mais mon boulot qui est à l'ouest, par contre, ça change rien du tout. La deuxième ligne de métro de Rennes ne change strictement rien pour mon trajet jusqu'à mon taf si je veux prendre le bus. Voilà, ça, c'est toujours aussi long. Donc un peu sad. Mais ouais, la tuture, on a appelé hier et les mecs ils ont, enfin en fait il y avait le garage qui avait rendez-vous avec un garage Peugeot pour régler la centralisation de la bagnole. Et le problème c'est que donc le garage chez qui on avait acheté la voiture avait rendez-vous avec Peugeot mardi dernier, le 4 octobre. Donc j'ai déposé la voiture la veille, puis on nous a donné la poubelle de prêt. Même si elle roule très bien, mais elle est terrible. Elle est juste horrible. Mais elle roule, c'est le principal. Mais bon, voilà, je suis un peu partagée sur cette bagnole, bref. Et en vrai, donc il y a ça. Et en fait, ouais, les gars, tranquille, j'appelle le garage hier parce qu'il y avait d'autres réparations à faire dessus. Rien de bien méchant, en fait. Hein, c'est des choses qui ne prenait pas beaucoup de temps, donc je me suis dit ils ont emmené la voiture mardi chez Peugeot et là ils ont pris le temps de réparer les trois trucs que je leur avais signalé. Et non, en fait ils me disaient on l'a emmené la semaine dernière mais on a toujours pas de nouvelles. C'est une poubelle polluante, c'est un diesel déjà pour commencer. Mais alors par contre, ce qui est génial avec cette bagnole de prêt, et c'est en ça que je vais en partie la regretter, même si j'adore ma voiture, c'est que c'est une voiture de 2001, le pommeau est pété, le pommeau de vitesse est pété, l'embrayage est fatigué, on l'entend respirer comme s'il avait une pneumonie, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et elle fait un boucan. Elle fait un bruit, mais c'est pas possible. Tu vois clairement que c'est une poubelle... C'est une poubelle... Ah oui, roulante, merde, j'ai vu polluante, mais elle pollue à mort. Donc c'est pour ça qu'on la prend pas beaucoup, d'ailleurs. Ça pollue à mort, ce truc. Et en fait... Ce qui est bien, c'est que j'ai mon A encore sur la voiture. Donc une voiture qui fait un bruit pas possible avec l'embrayage, tu sens qu'il souffre, mais il souffre. C'est pour ça que j'évite de trop appuyer dessus, parce qu'il souffle le machin, il faut l'achever en fait, c'est pas possible. Et alors avoir une bagnole qui fait un boucan pas possible, le pot il rejette de la fumée, tu sais pas ce qui se passe. Et avec le A derrière, mais c'est dissuasif sur la route. En Ille-et-Vilaine, les gens te collent au cul en permanence, et là pour une fois je suis tranquille, personne me colle avec mon A, c'est ça qui est génial. Je vais rester comme ça. Elle tousse. Et encore, c'est pas la pire, parce qu'il y avait... on a un ami donc, qui habite pas très loin de chez nous, là. Lui, il avait une Opel Corsa qui était très très vieille aussi. Et on l'appelait la bagnole Death Metal. Pourquoi Death Metal? Parce que... Alors, en batterie, on a ce qu'on appelle le Blast Beat. Le Blast Beat, c'est quand ça... Voilà, ça tape super vite. Et le pot d'échappement de la Corsa, elle faisait ça, elle faisait du blast beat.
dès qu'elle était à l'arrêt. Donc c'était la voiture Death Metal. Et je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à la revendre pour pas cher par rapport à la bagnole en elle-même, mais voilà. Mais ouais, elle toussait. Elle toussait également, celle-là. Donc bon, voilà. Alors par contre, là... Alors, on a donc nos deux clubs, là. On a la sieste, on a les littéraires. Mais par contre... Alors là, ça bosse dur. Ça bosse très très dur. Au point que j'ai envie de déplacer ça ici. Par contre, j'aurais bien aimé avoir la photo de Woodstock dans les trucs à décorer. Mais visiblement, visiblement, c'est pas possible. Alors en bureau... Ah, il y a lui aussi, là, que j'ai pas fait en deux exemplaires. Je vais en mettre un là. Voilà. Par contre, c'est ici, voilà. Je vais redéplacer les bureaux parce qu'en fait, c'était lors du tremblement de terre. Souvenez-vous que j'avais placé ces bureaux-là. Et le problème, bah, c'est que là, c'était pas bien mis du tout, du tout. Donc on va bien replacer tout ça, sachant qu'il reste encore pas mal de place. Alors, le personnel n'est pas content. Pourquoi? Toi, t'es mal payé. Je t'augmente. On va essayer d'augmenter les plus catastrophés. Ah oui, puis toi, hey, toi, faut que je te forme à l'infirmerie de niveau 2. Hein. Ouais, voilà. Faut que tu te sois formé, mon gars. C'est pas possible autrement, hein. Une métal, tout à fait. Ben c'est ça qui est fabuleux avec les bagnoles, c'est que des fois, on peut leur donner des surnoms, c'est mignon aussi. Ah, je suis encore à 20 000, ok. Alors toi, je te forme, et après peut-être que je t'augmente. Parce qu'on va essayer d'augmenter petit à petit, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Donc là, il y a... Oula! Il y avait... Attends, mais c'est qu'il y avait un fantôme là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, qu'est-ce que t'as? T'es pas... Non, t'es bien, mais tu baisses la tête. Y'a combien d'étudiants? 128. Récapitulons. 128. 6. On est 6 et 3, 9. Et 3, 9 et 3, 12. 9 et 3, 12. Donc 12 fois 5, on est à 60. 60 personnes peuvent dormir là-dedans. 60. Merde, il est où l'autre dortoir? 60, 60, 60. 60. Ah! Je ne trouve pas ce que je veux. 60, 60, 60. Bah merde! Ah non, mais j'ai fait qu'un seul gros dortoir. Oh! 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. Ah! Il n'y a pas assez. Il manque 2 lits. Non, pas encore, Metal et Singer, mais j'y pense. J'y pense. Faut déjà que je me fasse la démo, je pense, en off, tranquille, pépère. Et Metal et Singer, de toute façon, je pense le faire. Sans problème. Je mettrai mon t-shirt Hellfest, bien sûr. Ça va de soi. Sachant que je suis pas retourné au Hellfest depuis 5 ans parce que la foule, tout ça, avec Quentin, on a du mal un peu à tolérer. Moi, je suis claustrophobe en plus, donc dès que vous me mettez dans une trop grosse foule, voilà. Sauf par contre dans le Hellfest, dès que je suis dans un concert, y a pas de problème. Y a pas de problème. Du moment que je me fais rien piquer, que je me fais pas ploter et tout, ça va. Mais en vrai, j'ai jamais eu trop de problèmes dans les concerts de métal. Hein. J'ai jamais eu de problème. Le seul problème, c'est ça, je l'avais déjà raconté, cette anecdote, c'est quand j'avais été voir Massisteria sur la main stage du Hellfest. Et où, comment dire, on s'est retrouvé dans un Wall of Death et que bah, je me suis retrouvé happé par la fin du Wall of Death. Et que bah, Quentin avait été obligé de me repêcher par le col du t-shirt pour m'extirper de la foule. Parce qu'il y avait vraiment un mouvement de foule tel, je ne pouvais pas ressortir. En fait, je m'étais mise en fait en position de tortue, je m'étais mise à genoux, je m'étais protégée comme ça. Parce que tout le monde, c'était... La fin du Wall of Death, c'était vraiment sur moi, quoi. J'avais des pieds, des baskets, il y avait tout, il y avait des shorts, des pantalons, enfin, je voyais tout un tas de choses... Absolument pas forcément très fabuleuse puisque je me faisais marcher dessus, mais voilà. C'est peut-être la seule anecdote vraiment marrante que j'ai du Hellfest à part
Ouais, si, quand même, certains concerts qui étaient plutôt sympas, donc voilà. C'était assez cool de manière générale, mais bon, la chaleur surtout. C'est ça qui est chiant au Hellfest, c'est la chaleur en fait. Et en 2017, qu'est-ce qu'on a souffert? Et j'ai attrapé un coup de chaud et froid, puisque j'ai eu l'immense idée de me prendre une douche, c'est les douches de camping, hein, de me laver les cheveux à l'eau froide en pleine nuit, alors qu'il faisait une canicule pas possible le lendemain, quoi. Mais t'as fini un peu, oui. Alors par contre, je vois que il y a... Ah, il y a des bénéfices, ça augmente. Mais par contre, il y a déjà des étudiants en échec scolaire. C'est pas bon. Donc on va faire une pause. Je pense que je vais faire pause à chaque fois. Comme ça, je vérifie que tous les étudiants vont bien. Et tous ceux qui sont en F, on va commencer fort. Ça arrive fort. On va commencer donc par tous ceux qui ont F et D. Vous allez tous me faire des séances de tutorat. Sans exception. Et alors bien sûr, là la pause va être essentielle. Puisque on va classer par bonheur. Et là, la pause est essentielle dans le sens où là les humeurs ne vont pas changer. Donc là, on est d'accord, on a bien les élèves les plus malheureux vers les plus heureux. Chagrin tombeau, t'as besoin de soutien. Toi, tu t'ennuies. Tu t'emmerdes. T'inquiète pas, je vais programmer quelque chose. Lui, il a rien besoin de rien, non. En fait, à chaque fois que je vois des cœurs ou quoi que ce soit, ou l'infirmerie, d'emblée, cette personne, elle va à l'infirmerie ou chez le psy. T'y es déjà, mais je m'en fous. Double dose. On n'est jamais trop sûr. J'ai cru lire cyanure, en fait ça s'appelle cyanide, ça n'a rien à voir. Ok. Là c'est comme si en fait on voulait faire comme la psychologie en France, c'est-à-dire avoir le moins recours possible aux médicaments. Parce que faut savoir que la différence entre les psychologues et les psychiatres, c'est que le psychiatre lui il a fait un parcours de médecine. Le psychologue, lui, il a fait un parcours de psychologie, sciences humaines. Et le truc, c'est que il y a que le psychiatre, en fait, qui peut prescrire des médicaments. Même si, et il faut à tout prix avoir ça en tête à l'heure actuelle, c'est que depuis 10 ans, il y a de plus en plus de psychiatres qui vont vers le pas tout le temps médicament, en fait. Disons qu'ils... Par exemple, ils peuvent recommander. Moi, ça m'est arrivé d'avoir rencontré un psychiatre au moment où j'allais le plus mal. Et en fait, au lieu de me prescrire des médicaments, parce qu'il voyait bien mon discours que le médoc n'était pas du tout approprié. Et en fait, parce que j'ai déjà fait un travail avant aussi. Et en fait, il m'a dit, si vous voulez, je vous recommande une sophrologue. Et puis, vous pouvez aller la voir. Enfin, c'était dans le pôle santé de la fac. On avait une sophrologue qui était adorable et avec qui j'ai fait des séances de relaxation. Et à un moment donné, en fait, j'étais tellement fatiguée de ma semaine, je me suis endormie. Et j'étais en train de pioncer au sol, tranquille, comme si j'avais fait une soirée bourrée chez des potes et que je dormais à même le carrelage. Ce qui m'est déjà arrivé. Bon, pour l'instant, les étudiants ont l'air d'aller bien. On a un bénéfice de 37 000 et ça augmente. Pendant ce temps-là, chez les personnels. Les concierges, comment vont-ils? Oh, ils sont satisfaits. Toi, pourquoi t'es malheureux? Alors, je vais t'augmenter un peu. Voilà. Jay-Z Gubbins. Oh non! J'ai vu une tête qui n'était pas contente. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'augmente un tout petit peu. Parce que vous, je vous ai déjà bien augmenté. Hein. Vous avez été ceux qui avaient été le plus augmentés. Donc en vrai, voilà quoi. Alors, le bonheur. Ah oui, va aux toilettes et très vite. Mais en vrai, je suis débile, je pourrais mettre des toilettes à l'extérieur, mais pas sûr que ça soit le meilleur. Pourquoi centre... Ah oui, mais centre des siens, je l'ai pas... Ouais, donc on s'en fout. Chaudron magique, on va augmenter le chaudron magique. Et est-ce que je peux pas... Ouais, non, si je forme quelqu'un d'autre à la recherche... L'humour on piche. Bah, et en vrai, l'humour, ça a fait un sortilège de lumière, en fait. Hein. Alors, on n'est techniquement pas dans Harry Potter, mais là, on pourrait dire Loomis.
c'est moche. Mais parce que Loomis, c'est aussi la première lettre de, bah, de mon ancien pseudo, en fait. Hein, c'est... Ou la première lettre de mon prénom, également. Vous savez, je suis en train de... Non, c'est demain. Je suis en train de me dire, merde, on est quel jour? Parce que j'étais en train de me dire, il y a une réunion qui est prévue au tir à l'arc et j'avais peur de m'être trompé de jour, mais en fait, non. Mais en vrai, pourquoi je ne pourrais pas mettre des chiottes dehors? Bah oui, non, on peut pas mettre de toilettes dehors. Alors, former 3 membres du personnel. On va essayer de se centrer aussi un petit peu. Oh bah... Et on va l'upgrader en vrai. Hein. On ira peut-être plus vite. Ah 59%, c'est inadmissible. Je pense que je vais embaucher quelqu'un, mais quelqu'un qui soit... Non, vous jartez. Non. Moi, je veux que quelqu'un qui soit habilité à la recherche. Point. C'est tout. Je n'en veux pas plus. Bon, on va essayer de faire un événement quand même, parce que là, on s'emmerde. On va essayer de faire un ordre du boogie. Et on va le programmer pour décembre. Voilà. Oh non, elle va nous envoyer ses grenouilles, la gueuse. Au secours. Gros bouquin, mais vous foutez de ma gueule, je l'ai pas mis. Mais... Pourquoi ils veulent... Mais... Ah, j'ai pas mis le gros bouquin. Oh. Eh ben, voilà votre livre, messieurs, dames. Et bonne lecture, surtout. Voilà, voilà. Oh non! Oh non, c'est l'apocalypse! Oh mon dieu, c'est l'apocalypse! Au secours! Au secours, c'est l'apocalypse! Mon dieu! On va se mettre également des séances ciné... non, film d'horreur, on l'a déjà fait. Film romantique, tiens, pour changer... Ouais, il y a pas mal d'événements. Hein. On va le mettre là. Et sinon, on va essayer de se faire un créneau comme s'il y avait un festival de cinéma. Donc on va mettre la comédie avec Charlie Chaplin en avant-première. Oui, Charlie Chaplin en avant-première, vous vous rendez compte? Voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Moi, je vois pas quoi rajouter de plus en vrai. Oula. Oh mes yeux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un gâteau qui s'appelait Loomis, j'avais oublié ça. Mais le boogie boogie, merde, c'est... Qu'est-ce qui chante ça déjà? C'est les trucs que tu mets à des fêtes de mariage, ça. Où sont mes infirmières? Oh mon dieu, mais ça j'avais commandé que ça soit... Hein? The fuck? Allez, toi, tu vas être priceless. Dépêche-toi. Ah merde, non mais... oui, et par contre, je vais te former à... T'arrives et je te forme à la maintenance. Voilà, commencez la formation. Ensuite... Est-ce qu'il n'y a pas un assistant que je pourrais... Non, c'est pas ça. Oh, niveau 22. Alléluia. Bah oui, je forme, donc ça rapporte. Oh my god, mais qu'est-ce que vous branlez? Mais vous faites que dalle en fait! Je vous ai ordonné d'aller en tuto! Faites les tutos, pitié! Bah j'avais bien fait d'ordonner à tous ceux qui avaient aidé d'aller en tutorat! 9 élèves! Oui non mais allez vous faire foutre en fait! Eh, je vous ai dit d'aller en tutorat, vous êtes bouchés! Eh, je vais mettre une autre, salle de tutorat en vrai là! Alors attends, parce que là, moi, j'ai mon infirmerie. Comment ça se fait? Y a pas de toilette. Pourquoi c'est bugué? Y a pas de toilette, c'est pour ça que c'est la merde. Oh, mais non, vous exagérez. Comment ça, vous avez pas de place? Capacité de 22, mais la salle est immense. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je vous mets 3 tables. Ah oui, non, c'est bon. Non mais faut pas se foutre de la gueule du monde là, quand même. Ah par contre, il manque des choses ici. Il manque le baby foot. Voilà, et puis on va mettre le poste de DJ. Voilà. Ah, niveau 11. Ah merde. Est-ce que je peux pas mettre genre des affiches?
ce genre de choses. Oh oui, tiens, et là, hop, le tapis disque. Et voilà, ça fait l'affaire. Parfait. Eddie Mitchell, oui, voilà, merci. Eddie Mitchell qui, et ça, ça me choquera toujours, enfin choquera, dans le sens où c'est, ça a été appréciable de voir Flappy du Manège Enchanté, le mec qui passe son temps à dormir tout en jouant de la guitare et qui ne fait que de pioncer. Flappy égale Link. Mais doublé par Eddie Mitchell, c'était juste génial en fait. Ah, le concert. Alors par contre, mes assistants, ils sont aux fraises. Ah, un autre tuteur. À la bonne heure. Ah non, 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 non. Et tes partisans, ils vont aller se faire foutre. Hein. Merci. Ah, mais attendez, du coup, si les partisans de cette sorcière sont arrivés, combien ont la tête de citrouille, en fait? Non, mais ça, c'est la liste du personnel. Moi, je veux la liste des étudiants. Qui a besoin d'aller à l'infirmerie? Alors attendez, on va trier par ordre alphabétique. Ouais, c'est plus ou moins alphabétique. Ok, ok. Oh, il est en rencard, lui. On est un peu dans un rôle d'entremetteur. Et j'avais dit que je ferais un truc au secours. Pour que les amoureux se retrouvent, je vais être obligée de faire un dortoir spécifique. Et là, ça fait flipper. Et là, c'est là qu'on reconnaît la vibe d'Harry Potter. Qui, des fois, n'est pas très sécure, on va dire ce qu'il y a. Hein. Gilgamesh. Le meilleur prénom pour un sorcier, en vrai. Non, attends, quoi? Non, Boostip, c'est bon. Parce que j'adore, c'est les étudiants qui rentrent par l'arrière du lit. Ils rentrent par le bas du lit et pas du tout sur le côté. Tu sens que les études, c'est dur et qu'ils ont besoin de dormir. Ce qui est assez représentatif de la réalité, en vrai. Non. Par contre, je rigolerais si un jour ils font un DLC où il y a Mercredi Adams, quoi. Où il y a la famille Adams en personne qui vient à l'école de magie. Non. Personne n'a été changé en citrouille. Oh, bah dis donc. On est dans les R. Hein. Ah, alors toi, hop. Riche les talons. Il a intérêt à jouer au tiercé. Je suis à peu près sûr qu'il aura de bons tickets. Non, 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 non. Attends. Non. Ah. Non, j'ai cru qu'il y avait une tête de citrouille. C'était... le pilier avec la flamme et le bras zéro. Ah, ah, ah. Quick. Hop. Il est toujours là, lui. Hein. Incroyable. Non. Eh ben, punaise. Pas une seule tête de citrouille. Ah oui, non, mais les noms plus tard, c'est vrai que déjà de base, bon... voilà. Mes assistants. Non, ça c'est les concierges. Comment vont mes assistants? Ils sont heureux. Ils ont un bon salaire. Ils ont un bon salaire. Alors toi t'es aux toilettes. Est-ce que je ne te formerai pas au soutien de niveau 2 par hasard? Ça serait pas mal. Et c'est comme ça qu'on va économiser un peu de sous. Ah, inspection en cours. Oh, il y a un concert, là. Voilà, point, point, point. Amélioration. Let's go. Il faut qu'on améliore tout ça, bien sûr. Donc, dans mon personnel, j'en étais où? Les assistants. Au niveau salaire, tout le monde a l'air d'être heureux. Toi, non. Je t'augmente. C'est vrai que Lucinda, elle est arrivée en dernier. Ah! Alors, on va augmenter petit à petit. Voilà. Toi aussi, pareil. C'est l'inflation, mes amis. On augmente les salaires.
Voilà, pour avoir un service optimal quand même de santé pour nos étudiants, c'est très important. Ah ! Oh merde, on était bien au niveau des bénéfices. Ah non, c'est cumulé ! Ou alors ils mettent les records. Je crois qu'ils mettent leur corps en fait. Je crois qu'ils mettent le record. On va juste faire un, voilà, une fête de base. Et on va la répéter tous les ans. Voilà, comme ça on a déjà des trucs de poser. Et on va peut-être... on va peut-être se faire une soirée étudiante autre ici. Et on va la mettre en février. On va la mettre en février, voilà. Et on va la répéter tous les ans également, celle-là. Et ici, on va se mettre un événement du film de science-fiction. Bah tiens, ouais. Allez, on va le mettre là. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Ah oui, non, Poudlard, c'est... Poudlard, oui, c'est sûr. Déjà que Poudlard n'est pas sécure, Poudlard ne peut qu'être insécure. Bien sûr. C'est logique. C'est logique. Alors, où est-ce que je vais pouvoir faire ma pièce de la débauche? Parce que c'est clairement ce qu'on va être obligé de faire. Et rien n'a pété, je mets le bras zéro en plein milieu, voilà. Et ben, mon espace de la débauche, mesdames et messieurs, il va être fait dans cette partie-ci du bâtiment. Je vais quand même laisser... Ah non, c'est pas ce que je veux faire. Non, ah! Je veux faire... Zwick, ça. Voilà. Là. C'est bon. On agrandit. On laisse la place qu'il faut pour le dortoir initial. Et le reste suivra. Alors non, je vais pas copier-coller ça parce que j'ai pas envie d'en faire une grosse pièce. Alors, le laboratoire de sciences, ça sert à quoi ce truc ? Ouais, bah en somme, ouais non. Alors je vais faire un foyer étudiant, malheureusement. Et c'est terrible ce que je m'apprête à faire. Alors non, on va faire ça. On va faire ça parce que je vais pas faire un dortoir collectif pour éviter toute dérive. Et on va pas mettre ça. On va mettre ça. Au secours. Voilà, c'est ce que j'appelle ma pièce de la débauche. Et je vais en mettre... 3. Pour que les étudiants puissent se retrouver... Et alors là, et bah ici, on a de quoi. Là, j'ai l'impression de jouer aux Sims. Hein. J'ai pas l'impression de jouer à Two Point Campus. Hein. Et là, bah, techniquement, voilà, on peut mettre une cabine de douche. Et là, on va la configurer... Non. Oui, voilà. Alors, pas le personnel, pitié. On va mettre que les étudiants dedans. Quand même. En qualité de mer, j'ai le plaisir, blablabla, bien sûr. Alors, ça augmente la température. Oh là là. Au secours. Non, je l'ai mis en plein milieu. C'est terrible. Je me sens vraiment coupable de ce que je suis en train de faire. Oh, mais tu fais chier avec ton temps de merde, Miss Météo. 29 000, c'est bon. À partir du moment où on arrête de dépenser, ça le fait. Ah, magnifique, c'est quoi? Le club littéraire, ok. Et on va peut-être ouvrir un troisième club, qu'en dites-vous? On va ouvrir un troisième club. Alors, est-ce que je peux mettre... j'ai quoi? J'ai le club littéraire, là. On va mettre le club de la nature. C'est raccord avec le monde des sorciers. Et on va les mettre ici. Voilà. Et alors par contre, vu que la caméra tremble, je fais pause. Parce que je voudrais tout simplement embaucher un ou une assistante. Oh punaise. Oh, ils ont des compétences en or. Il n'y en a pas un seul qui fit avec... Ah, quoique lui. Ouais.
Toi, je vais te mettre ouais, au recrutement. Au recrutement de club. Voilà. Et donc, en lien avec ceci. En lien avec celui-ci. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec tout ça là? Étagère du club de nature. Ok. Alors c'est bon, j'ai les trois. J'ai 1, 2, 3. J'ai réussi mon objectif de former 3 membres du personnel. Alors. Oh, j'ai quasiment 2000 kudosh. C'est faisable en vrai. Bah alors. Bon, je vais avoir d'autres trucs. Allez, oh merde, je voulais améliorer l'élément. Ah! Oui! Améliorez-moi ce chaudron! Pitié! Ah non, c'est l'infirmerie. Ok. 58%! Pourquoi? Les profs. Je suis sûre que c'est les profs. Ils ont pas un salaire assez élevé. J'ai pas augmenté les profs! Je suis vraiment une merde humaine! Ah, merci! Pour une fois que Quentin diminue une remarque à mon égard, il m'a dit je ne suis pas une merde, mais... Merde, j'ai oublié. Je suis juste nul, voilà, ce qui est beaucoup mieux. Ah, toi je t'avais augmenté, mais depuis quand? Bon là, ils vont être plutôt contents, je pense, hein, j'espère. Bah non, mais c'est juste que, voilà, la fatigue, la marche, tout ça... La foule, ça... Bah ça épuise hein, quand même. Les excuses aussi, ça épuise, oui, tout à fait. C'est épuisant de s'excuser. Et c'est vrai, dans les deux sens. Hop. Et voilà. Après, niveau formation. Sus Grognor. De son pseudo vodka. Genre... Je prends pas soin de ma santé maintenant. Ah bon? Oh, c'est pas parce que j'ai fait une fois Burger King que tout de suite je ne prends pas soin de moi. Oh là là. Oh les raccourcis. Ah t'as entendu un cardiologue exploser? Eh bah figure-toi que j'ai un très bon cardio, donc chais. Déjà, pour commencer. Alors, Aldo Crado, tu vas donner des discours d'encouragement parce que tu es un prof. Et un prof, ça doit encourager et pas appuyer là où ça fait mal. En théorie. Toi, je te mets tutorat niveau 2. Toi, Ars Obscur niveau 2. Toi, je vais te mettre en niveau 2 aussi. Putain, ça va me coûter cher! Voilà, niveau 2. As Obscur, niveau 2. Magie, niveau 2. Parce qu'il nous faut des cours de qualité quand même. Toi, bah la recherche, hein, niveau 2. Toi, ça va être le tutorat, niveau 2. Tutorat également. Oh la vache! Et j'aurais mieux fait de les former avant. Au secours. Et toi, tutorat niveau 2. Voilà. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Ça va coûter cher, cette merde. Alors, normalement, il y a une fête quelque part. Oui, ici, il y a un conseil. Ah non, c'est juste la fête du syndicat. Ok. Et bah, le syndicat, je vais peut-être le bouger, d'ailleurs. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir l'amphi et le syndicat. Et bah, écoute, voilà. J'arrive. Voilà. C'est chose faite. Oh, mais qu'il est désagréable. Est-ce que au moins ces chambres-là sont utilisées ou pas? Oh oui. Tout seul. Oh, la tristesse. Ah, mon Dieu. Pourquoi? Mais attends, il faut améliorer ça par contre. On va mettre un bureau, on sait jamais, ça peut servir. À tout à l'heure.
Avec la corbeille quand même. Dans ce genre de chambre, il faut toujours des corbeilles. Voilà. La corbeille près du radiateur de préférence, s'il vous plaît. Voilà. En fait, il se couche tout seul dedans. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. La note du logement, elle est pas terrible. Bah oui, je sais, je sais. Je sais, il y a du mieux, il y a du mieux à faire. Peut-être en... Merde, non, c'est pas ça. Améliorer en merde, mais non. Ah, peut-être oui, en affichage. Ça serait pas mal d'avoir... quand même quelques affichages, histoire d'améliorer un peu tout ça. Le tournesol qui carie, bien sûr. Le tournesol qui carie. Ça met du soleil dans vos vies. J'ai oublié une chambre. Oui, exactement. Exactement. Oh putain, c'est pas du tout là où ça devrait être. Non ! Ta-t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 a. Voilà, merci. Quoi ? T'as besoin d'aller pisser dans les fleurs, c'est ça ? Ok. J'ai pas mis les toilettes, bon sang, j'étais partie chercher les toilettes tout à l'heure. Oh, mais où sont mes assistants? Ah, vous avez aucune intimité, vous faites la queue là-dedans, vous. Les toilettes, elles sont là. Elles sont là, et bien sûr, on va les mettre... on va les mettre là. Hein. Oh, merde, c'est pas là que je voulais la mettre. Tant pis, on reprend. J'ai dit on reprend et on va mettre les toilettes ici. Voilà. C'est bon. Ah bah ça c'est calculé pour. On peut se permettre peut-être un petit coin jeu d'arcade, non? Ah ouais, non là. Là les bénéfices ils sont pas bons du tout. Ce qui s'appelle vraiment pas du tout. Et je dois encore former 3 membres du personnel, sauf que, bah, théoriquement, voilà, il faut un événement. Vite, pourquoi c'est... Pourquoi il y a une attention ici? Ah, le bras zéro. Ok, le jeu a ses petits bugs. Le pupitre de niveau 3, bien sûr. On va peut-être se faire un coin arcade ici, là. On va essayer de mettre quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu sympathique. Il y a des distributeurs ici. Ok. Maintenant. Une bande crédit taxi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeux, d'autres arcades? Est-ce qu'il n'y a pas par hasard? Eh bien non. Divertissement. Bon, on va voir déjà ça. Oh non, pas eux. Les néfastos. Pitié. Oh, c'est vrai que j'ai oublié de mettre le mini-golf. Oh, il doit s'emmerder lui. Allez, un mini-golf à côté de toi. Ah merde, non si c'est bon, ça passe. Un mini-golf. Et la petite chouette qui va avec. Oui, je sais qu'il y a des intrus. Oh! Oh toi, allez, t'es embauché, let's go. Par contre, je vais te former. La maintenance. Non, 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 aérodynamique. C'est vrai que mes gars, la sécurité, je les ai tous formés à autre chose, mais en vrai... Il devrait être aérodynamique. Voilà. Pour avoir plus de rapidité. Voilà. Je coupe le son parce que cette gourde, c'est incroyable le bruit que je fais avec quand je bois. Ok, ouais, porte ouverte, why not? Il se passe rien là depuis tout à l'heure où c'est moi là. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu la santé de mes étudiants depuis tout à l'heure. Mais c'est le personnel! Voilà, les notes.
Ah, ça s'améliore. En vrai, c'est pas mal. Hostile? Comment ça, t'es hostile? On essaye de te rattraper, bougre d'âne. Maintenant, tous ceux qui sont en C, vous allez en tutorat. Vite. Ok. Ah, toi t'es en C, hop. Ok. Ça devrait le faire. Ah, 15 000, on remonte. À la bonne heure. Ça remonte, tranquille. Par contre, est-ce qu'ici on peut pas se faire peut-être... Allez, ouais. Eh, ça fait stylé ça, on dit, on se croirait à un musée de l'automobile. Par contre, au niveau... Ah ouais, voilà, au niveau radiateur, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Ici je peux pas mettre un bras zéro par hasard. Le bras zéro c'est forcément à l'extérieur. Ah merde, c'est forcément à l'extérieur. Ah voilà, température. On va débloquer le petit et on va le mettre ici. Putain, je regrette déjà. Je regrette. Ça va, t'es bien? T'as pas trop froid, toi? Allez, je t'augmente. Voilà. Alors, toi, par contre, t'as peut-être besoin d'être formé à... Bon, allez, la synchronisation comique. Pourquoi pas, hein? Pouini, pouini, pouini. Ah, on pourrait se faire peut-être... Est-ce que la soirée ciné-comédie c'est possible ou pas? Oui, début juillet, let's go. Et puis il y a un événement en fin d'année, donc ça devrait le faire. Alors normalement il y a des formations qui ont lieu en ce moment même. Oui, 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 oui. Alors là je vais laisser un petit peu le jeu faire. On va voir ce que ça donne. Ah merde, il y en a un qui reste. Chopez-le. Il est où? Où est-il? Ah, toi tu rentres les bras ballants. Chez. Toi pareil. Où est le dernier? Chopez-le. Ah ah, ça y est. Ok, maintenant parmi les élèves, qui a besoin d'être éventuellement soigné? Donc c'est bon, c'est... Non, c'est même pas par ordre alphabétique, nom d'un chien. Ah! Je savais bien qu'il y en avait un quelque part. Toi aussi. Ok. Ça en fait des blessés quand même. Loli lol, Bill. En plus, il s'appelle Bill Loli lol. Brillard crâne, c'est un crâne brillard. Lui vient de Melun, c'est sûr. Ok. Faudrait que je bourre aussi un petit peu plus les fontaines à eau. Parce que je vois beaucoup de gens qui... Oh là, toi, t'as la totale. Oh là là. Ça va, là, le bonheur, il a pas trop bougé. Effectivement, je pense que ça va être un peu moins galère que la dernière fois. Parce que là, oh, on prend vraiment soin, un par un, de nos étudiants qui se font lyncher pour une raison indéterminée. C'est du harcèlement gratuit. Après, quel harcèlement n'est pas gratuit en vrai? Le fameux coup de « Oh, il y a une rumeur sur toi, donc on va t'emmerder sur cette rumeur. »
Pour t'entendre dire 2 ans plus tard, ah bah en fait t'es sympa. Moi c'est ce qu'on m'avait sorti moi à la fin du collège. Après 3 années de galère, j'avais monté mon petit trafic donc de d'échanges de jeux vidéo gratuits et légal. Je précise bien que c'était légal parce que c'était des jeux que je possédais moi-même et je pouvais repartager les fichiers. C'était des jeux gratuits. C'était des démos gratuites. Et je repassais ça, en fait, bah, à des personnes lambda. Hein, et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Le jeu vidéo, dans ma vie, m'aura sauvé la vie 2 fois. La première, à la fin du collège, pour me sortir de la merde. Et la seconde fois, bah là, en fait, très récemment, parce que c'est grâce aux jeux vidéo et aux exercices oculaires que ça me fait faire que ma vue a pu se rétablir quand même relativement bien. Et ça, ça fait du bien. Oh, qu'est-ce qu'ils vont... Ils vont... Non, c'est un duel. C'est le duel des sorciers. Oh la vache, ça a l'air épique. J'ai mis 2 fois le même portrait, vraiment. Merde. Et une météo charmante, bien sûr. C'est la fin de l'année. Je ne vais rien faire de plus. Je ne vais rien faire de plus, ça sert à rien. On va juste voir... que vont donner les dernières notes. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a toi ? Oh, le bel éclair, le beau ralenti. Risque d'échec, mais pourquoi ? Oh putain, il a pas été à sa séance de tutorat, mais j'aurais dû le virer. J'aurais dû le virer. Oh, il a pas de relation. Et il va falloir qu'on booste vraiment ce truc. Là, on a un petit jardin, mais il va falloir qu'on en fasse un deuxième. Magnifique. Par contre, ici, je pourrais mettre une salle de formation, en vrai. La salle de formation, elle est là. Bah, je vais être obligée de mettre ça... genre... là. Ouais, non, 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 c'est beaucoup trop serré. C'est beaucoup trop serré. On va juste bouger ça, voilà. On va juste agrandir un petit peu comme ça, ouais, ça va être super. Parfait. Allez! Puis après, bon bah, advienne que pourra. Hein. Par contre, il y a un élève, bah, je suis sûr qu'il va jarter. Même si on veut le rattraper, là, c'est pas possible. Parce que là, il était en cours. Alors peut-être. Est-ce qu'il s'en est sorti? Ah, sens de l'orientation bibliothécaire. Regardez-moi tous ces livres. C'est toi. Ah, t'es là. Ok, je te vois. Vas-y, tu peux y arriver. Allez. Je crois en toi. Vite. Sors-moi une bonne note. Ouh la vache. C'est juste, mais ça passe. La situation peut dégénérer. Ah la vache, ah oui, d'accord. C'est comme Cult of the Lamb en fait. C'est-à-dire que, à tout moment, les élèves, ils peuvent péter un plomb. It starts showing a cool movie at that theater downtown. Ah! So have a good one, my friends. Oh la vache! Bon, il va falloir qu'on se ressaisisse. Alors, parfait. On a évité l'échec de justesse. Ok, donc le nombre de clubs, la pédagogue de l'année, bravo. Pour la recherche, le tutorat, ça va. Le score est moins bon que l'an dernier, mais ça va. Ah ouais, j'ai eu. Bah quoique, non, j'ai eu plus de prix que l'année dernière, parce que c'est vrai que cette école c'est la plus dure. Et ben on va en profiter des vacances pour l'améliorer, puis voilà. Parfait.
fait. Regardez-moi tous ces diplômes. C'est hyper beau. C'est beau en vrai. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon, sur ce. Putain, on va faire combien d'années là en fait avant que. Avant que. On puisse changer d'école. Ça lag. Alors, gérer les formations. Il y a combien d'étudiants? 134. Ça veut dire qu'il me manque un lit. Dans les dortoirs. Quoique non. Puisque les lits en forme de cœur, ils carrient, donc c'est bon. Il nous faut par contre un pédagogue supplémentaire en magie. Et en magie... Bah toi, Lucinda, bis, tu es la meilleure. Et tu ne seras par contre... Voilà, quel enseignement. Et d'emblée, par contre, je vais te former... aux paroles d'encouragement. C'est une manière pour moi de t'intégrer dans les équipes. Voilà. J'ai envie de garder ça encore. Est-ce qu'en vrai, ici, on pourrait pas améliorer l'attractivité? Ah si! On va voir... Alors déjà, pour améliorer l'attractivité ici, on va avoir ça. On va avoir ça. Le PC, il y a déjà un PC. Oh la vache, ça coûte cher ce truc, au secours. J'ai envie de mettre un petit tournesol ici. Et puis on va mettre un petit tournesol là. Avec, attention mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis. Je ne trouve pas ce que je veux. Devant, non. Devant vos, j'ai dit, nom d'un chien. Devant vos yeux ébahis, la fontaine à eau secrète. Parce qu'elle est dans un coin. C'est... Quoi encore? Oh là 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 là! Va te laver, t'as des douches là! Va te laver, je t'en prie! Va te laver! Va te laver! Au secours! Parce que là, en fait, de l'autre côté, là, qu'est-ce que j'ai? Oh, mais il y a tout qui est cassé! Tout est cassé! C'est bon, mais allez-vous laver, par pitié? Ah, mais il n'y a que des douches là, en fait. Alors, par contre, je vais prendre ça. Ne vous en déplaise. Et je vais la tourner. Voilà. Je vais la tourner parce qu'en fait, ici, mesdames et messieurs. Donc là, on a les douches des deux genres. Hommes et femmes. Par contre, ici... On va plutôt faire ça comme ça. Voilà. Et on va la configurer en... Zut. Non. C'est très dur les hitbox là. On va faire étudiant femme. Et ici on va avoir du coup... étudiant homme. Voilà. Il me faut un événement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est la fête du syndicat étudiant. Est-ce qu'on ne se ferait pas genre une énorme boum ici? Non, tiens, fin décembre pour le Père Noël. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut là? Ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Ouh la vache! Ouais, bon. Je vais plus aller sur la formation directe du personnel. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Par contre... alors, ordre du boogie. Ok, donc eux, ils viennent là. L'événement est calé. Oula! Alors, niveau chaleur, oui, vous me disiez? Ok. Bon, on va voir si ça joue sur le bonheur des étudiants. J'espère bien que oui.
Et en vrai, la porte, je devrais peut-être la mettre là. Hein. Améliorer le pupitre, c'est un ordre. Ah, il y a de la verdure, ça plaît aux gens. Ah non, oui, d'accord. Et n'hésitez pas à tester le mini-golf, bien sûr. Oula, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Oula là. Oula, non mais Dolicianic, tu me casses les... Tu es relou. Bon. Qu'est-ce... Oh, attendez, on les a jamais vus... Ah oui, ils font de la soupe en fait. Donc les étudiants, ils sont bien 134. Les notes. Comment sont les notes? Ok. D'accord. Non mais et toi, sans déconner, t'es malade. Toi, tu vas en tutorat. Toi, tu vas en tutorat et en soutien parce que t'es pas bien. Non mais les gars, il faut prendre soin de vous à un moment donné. Enfin, je sais pas. Par contre, qui a besoin de soutien là? Oh la vache, ils sont beaucoup trop nombreux. Pause. Ordre alphabétique et puis... Non. Ordre alphabétique et puis on va voir qui a besoin de quoi. Je me fais toute la liste. Et c'est bien chiant. Parce que nom d'un chien... Le bonheur, c'est très important. Quand on n'est pas heureux, on ne peut pas travailler. C'est pareil dans le boulot. La preuve. J'en suis la preuve vivante. Sauf que cette fois-ci, ça aurait pu mal se finir. Et ça s'est bien fini. Heureusement. Participe au club de la nature. Génial. Bah oui, parce qu'avec la nature, c'est là-dedans que vous allez avoir vos plantes pour faire vos popos. Donc, oh là là. Sale, s'ennuie, triste, blablabla. Bah oui, bah voilà. Et pourtant, tu t'inscris au club de la sieste. Oui, bon, ça veut dire que tu t'ennuies bien, quoi. Alors, est-ce que je peux pas faire avec les flèches? Non, je peux pas faire avec les flèches. Hadès beau gosse. Excellent. Oh, c'est là typique d'Hadès. Bien sûr. Oh, un étudiant mécontent. Mais what the fuck. Bah oui, bah tu fais partie de ceux que j'ai demandé d'aller à l'infirmerie. Et chez le psychologue, bien sûr. Il faut que ça soit rentable parce que s'ils refusent là de... comment dire, de payer leurs frais de scolarité, moi je suis dans la merde. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être dû augmenter le nombre de formations cette année. J'aurais certes dû embaucher quelqu'un d'autre. Mais j'aurais eu plus de fric aussi. Parce que là, je stagne à mort. Enfin, c'est avec l'augmentation de salaire aussi là qui a fait que ça se passe pas très très bien. Ok, donc toi, c'est bon. Prudence mortelle. Ah oui, là, il faut faire quelque chose, là. Si c'est une prudence mortelle, ça ne va pas. Il y a un léger trop, là. Ok, donc toi, mal des potions. Ah oui, ça se comprend. C'est que du coup, t'en as mangé une. T'as fait comme Julien Fébrouille hier soir à Popcorn. T'as pris trop de sauce piquante et puis tu t'as mal au bide même le lendemain, quoi. Oh les pauvres, j'ai plein. Mais je sais même plus d'ailleurs quelle est l'échelle qui permet justement de se rendre compte de la du piquant en fait d'un aliment. Mais Julien Fébrouille, rien qu'à l'aspect, je pense qu'il a dû se dire ouais c'est bon, je le prends. Et finalement, il s'est cramé la langue et il a mal au bide du coup maintenant forcément. Les intestins n'ont pas forcément apprécié cette espèce d'agression buccale. Est-ce que... Non. Augmenter le terrain, là, ça va pas trop servir. Par contre, là, les verts, faut qu'ils sortent de chez eux. Hein. Parce que j'ai un défi à faire. J'ai un défi à honorer. 17 000. Bon. Est-ce qu'on va y arriver? La réponse est oui. On y est toujours arrivé. We've got breaking news for you on 2 Point Radio. Pupitre, ah mais il faut l'upgrader lui là.
Il faut de la qualité dans nos cours. Oula, qu'est-ce que c'est que cette file? La vache! On commence à être un peu serré là. Je remplis ma gourde, j'arrive. On va s'en sortir. Oh ! Quoi ? C'est catastrophique ? Mais c'est terrible ! Qu'est-ce qui s'est passé là aux premières partielles ? Au secours ! 10 élèves ! Mais ça fait beaucoup ! Oh la vache, c'est beaucoup ! Ah non, mais tous au tutorat et je vais faire deux autres salles. En fait, là, c'est vrai que les 50 000 de bénéfices, ils vont peut-être pas arriver tout de suite. Hein. Malheureusement. Ils vont peut-être pas arriver tout de suite. Ah non, mais vous, c'est une catastrophe, là. Ouais, on va se faire... Ah, et puis toi, tu vas à l'infirmerie direct. Ouais, les autres... Hop là. Voilà. Ouais, bah on va prendre un cabinet, on va le copier. Ouais, bah je vais mettre ça là, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah tu mets ça là, c'est tout. Non, pourquoi ça veut pas en fait... En quoi là le poster il pose problème, je comprends pas. C'est un poster normal, pourquoi... Pourquoi il glitcherait à travers, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas. Des fois je ne comprends pas la... Je sais pas. Quoi, mais qu'est-ce qu'il y a à supprimer encore? Ah bah oui! Voilà. Voilà, c'est bon, tout va bien. Et j'ai pas mis une seule fenêtre par contre dans ce bâtiment. C'est un mouroir. Merde. Eh ben tant pis. Ils feront avec. Let's go. Et donc, il nous faut... Sometimes I get asked what I would have done had I not gone into the disc jockeying trade. Well, as a young boy, I dreamed... Toi par contre, tu vas être formé FISA au tutorat et tu vas être uniquement au tutorat. Voilà. Tu as la salle au fond. Bonne chance. Ah non, t'es rentré là. D'accord, ok. Eh ben, on va mettre... J'ai l'hydro. Le petit banc pour la tente. Ah oui, c'est vrai, j'ai bougé la partition. Voilà. Bon, là, c'est fait un peu voyeur, mais bon. Bon, les étudiants diplômés avec la note A, du coup j'en ai eu 0. Enfin non, A plus surtout. Fais chier. Je vais également organiser une soirée ciné, film d'action, et on va la mettre ouais, fin novembre, et on va la répéter tous les ans. Comme ça on aura un calendrier à peu près propre. Niveau cinéma, donc on a film d'action ici. La comédie. Et la fête du foyer étudiant. Non! Tu vas payer! Dépêche-toi! Ah toi, tu me saoules! J'ai envie de te foutre dehors!
Je devrais même pas avoir pitié de ton sort. Tu es une emmerdeuse. J'ai pas d'autres mots. Eh ben on va refaire le tour de tous ceux qui sont frustrés. Les néfastos, ils me font plus peur. Ils ne me font plus peur du tout. Ah, merci. Ah bah ça y est, apparemment j'ai dû... Ouais, voilà, j'ai réussi le défi, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais que j'avais réussi le défi. Oh, bravo! Toi, tu vas à l'infirmerie parce que t'as pas l'air d'être bien. Tu te blesses en duel en plus. Ah non, t'as juste une tête de citrouille, ok. Tête de citrouille également. Et en plus, t'as des mauvaises notes. Eh bah, t'as vraiment le plus mauvais combo. Oh là 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 là, non mais toi, mais t'es vraiment au 36e dessous, c'est affreux. C'est juste affreux. Ah, je te fais le pack total, hein. Je te fais le pack tuto into infi... C'est passé quoi là? Comment ça se fait qu'il y a autant d'échecs? Attendez. Pourquoi j'ai vu autant de diplômes cassés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Au secours. Aïe. Enfin, aïe, non, je me suis frotté. Merde! Ouais, c'est bon! Oh la vache! Bon, du coup, je sais même plus à qui j'en étais! Ouais, on va recommencer de là. C'est pas... Non, on va recommencer du début parce que je suis sûr que. Voilà! Il y a les têtes de citrouille qui ont popé entre temps. Arbre alphabétique, voilà. Toi, c'est bon, toi, c'est ok. Toi, hop. Oh, mais non, la pluie de grenouille. C'est l'apocalypse. Cachez-vous sous les lits. Arrêtez tout ce que vous faites. C'est une alerte générale. Histoire de poule de lard. Let's go. Alors oui, le ring de duel de niveau 3, merci. Oh. Elle est longue cette map, c'est surtout ça le problème, c'est qu'elle est longue. Vous voyez, 1h30 de stream, je pensais que j'allais un peu plus carry la game, mais finalement ce n'est pas le cas. Ah, alors toi, infirmerie. Ok. Oh oh oh. Ah non mais toi, mais à chaque fois. Oh la... La casse-pied, quoi. Je te fais des obligations de soins. Et toi, tu les refuses. Enfin non, tu te présentes pas. C'est pire. C'est pire, c'est que tu te présentes pas du tout, en fait. Alors que t'as une injonction derrière. Qui te dit, va te soigner, t'en as besoin. C'est bon pour ce que t'as. Parce qu'en vrai, tu ne peux être que meilleur. Et ça serait dommage de gâcher un tel potentiel. Lui, d'emblée, il a pas de notes, je le mets en tutorat. Je crois que pour ceux qui ont pas de notes, je vais faire ça maintenant. Je les mets au tutorat direct. Et j'ai bien fait, parce qu'il a une bulle. Ah là 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 là. Voilà.